l'enlèvement avait été lui-même violent. Donc nous ne savions pas si l'enfant était blessé. On avait l'impression vraiment d'être dans un film d'horreur. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon enfant? Ils vont le brûler? Ils vont le violer? Ils vont faire quoi? Ils vont le tuer? Il y a forcément une urgence quand il y a une alerte d'enlèvement. Christian Estrosi a demandé l'ouverture d'une cellule de crise regroupant tous les services de sécurité. Alexandre demeure introuvable, un important dispositif. À la Réunion, tout le monde se sent concerné. Tout le monde pense que ça pourrait être son enfant et tout le monde veut participer. On a bouleversé les programmes, on est tout de suite passé en direct permanent avec les auditeurs. Les personnes qui ont enlevé Alexandre étaient obligées au fur et à mesure de se dissimuler parce qu'ils écoutaient eux-mêmes la radio. On aurait pu imaginer peut-être une cérémonie, une pratique, un viol, rituel.